Ok, deuxième vidéo. Donc, une fois qu'on a fait un bon échauffement, renforcement musculaire, on fait les techniques de poing. Ensuite, on verra les positions de base, puis les techniques de jambes. Technique de poing. Donc, d'abord les bras bien écartés, vous connaissez, on serre les bras, on serre les doigts, les pouces extérieurs. Faites 10 répétitions à chaque fois. Je tourne, j'inspire. Je pousse, j'expire. 100. Chi. Go. Ensuite, la même chose. 10 répétitions rapides. Ich. Ni. San. Chi. Go. L'autre. Puis un bras et l'autre. Pareil, 10 répétitions. D'abord, doucement. Doucement, puis fort. Voilà, une dizaine de répétitions. Ensuite, la même chose en position avec le travail des hanches. Un bras, l'autre main au niveau de la ceinture. Et on va tourner les hanches, comme ceci. Lorsqu'on va tourner les hanches, vous imaginez que sur votre corps, il y a trois axes. L'axe central ici, un axe sur le côté, épaule adducteur, et l'autre côté. Le but, c'est de tourner sur ces trois axes. Donc l'axe central ne bouge pas, tête, buste, notre ceinture. Et ensuite, je creuse à droite puis à gauche, comme ceci. Hop, on tourne droite, gauche. Et pas, on ne laisse pas partir le corps n'importe comment. On tourne droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on verrouille bien les jambes, les positions. Les genoux, les pieds restent dans l'axe, comme ceci. La tête reste droite. Une fois qu'on a effectué ce mouvement une dizaine de fois, 20 fois, 30 fois, on fait la même chose avec une petite position. Petit zenkutsudachi. Hop, comme ceci. Et la tête reste bien dans l'axe. Et la même chose avec une grande position. Hop, le but, c'est de ne pas bouger la position, pas bouger les genoux, la tête droite. Et ensuite, on rajoute les bras. Premier kizami, profil, etsuki, face. Hop, pareil. Une trentaine de fois d'un côté, une trentaine de fois de l'autre côté. Voilà pour les techniques de poing. Donc faites ça tous les jours, tous les matins, une trentaine de répétitions. Deuxième, les positions de base. Talons serrés, tête, buste, notre ceinture alignée. Premier, j'inspire et on descend. On reste droit, on baisse les épaules, tête sortie. Et expirez, talons décollés. Et expirez, talons dans le sol. Lorsque je descends, on ne penche pas le buste en avant. On reste droit, on inspire, on expire et talons au sol. 10 répétitions. Une fois qu'on a bien compris l'attitude droite du corps, on reproduit la même chose. Premier, zenkutsudachi. Hop, poids sur l'avant. Gardez l'axe du corps droit. Deuxième, kokutsudachi. On amène son centre de gravité sur l'arrière. Troisième, kibadachi. On met son centre de gravité au centre. Et la même chose de l'autre côté. Zenkutsudachi. Place bien les pieds, comme moi. Kokutsudachi. Kibadachi. Et on reproduit de l'autre côté. Zenkutsudachi. Kokutsudachi sur l'arrière, Kibadachi au milieu, droite, gauche. Dernier exercice avec les bras et les jambes. Donc premier, on recule avec les blocages à Agiuke, hanche de profil comme l'exercice précédent. Yakutsuki, hanche de face, on ne bouge pas la jambe avant, solide, Shutoke, côté. Et Kibadachi, troisième position avec moitié de tsuki. Et yame. La même chose de l'autre côté. Agiuke. Yakutsuki. Shutoke. Tagitsuki. Donc là, on a les techniques de bras, puis les positions. Fort, à chaque fois. Vous pouvez répéter une dizaine de fois. Ich. Ni. San. Chi. Et yame. Même chose à gauche. Ich. Ni. San. Chi. Et yame. Voilà pour les techniques. Deux points dans un premier temps. Deuxième exercice, les jambes, puis bras et jambes avec les positions.